was a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un shooting avec Ivana. Nous sommes en plein cœur de Lyon à l'Hôtel Dieu et on va profiter des coursives de l'Hôtel Dieu pour faire nos photos. Nous avons fait plusieurs sets d'éclairage différents, dont reste jusqu'à la fin pour voir comment j'ai utilisé le Godox AD300 Pro en mix avec la lumière naturelle. Je vous donnerai à la fin donc un conseil primordial pour réussir ce type de photo où on mélange la lumière naturelle et la lumière artificielle. Pour cette première partie du shooting, j'ai travaillé avec la lumière naturelle. J'ai voulu jouer avec l'ombre et la lumière. Le soleil éclairait Ivana de face et nous avons les coursives qui étaient moins éclairées, donc du coup on était un peu dans l'obscurité. En fait, ce que tu vas faire, pas forcément marcher à fond, c'est que tu vas te mettre ici où tu es, en fait, où tu rentres dans la lumière là, tu vois, ici, tu vois, t'es juste un peu comme ça. Tout l'arrière-plan va être sombre, donc du coup, en fait, selon comment tu vas plus ou moins rentrer ou pas, ben, on va avoir plus ou moins plus de toi ou pas, ok? Comme par exemple, voilà, là, comme voilà, très bien, ce genre de truc, quoi. Attends, vas-y, 2 secondes, hop, je teste juste. Allez, c'est parti. Là, j'étais vraiment plein pied, hein, du coup. Donc, allez, c'est parti. J'aime bien. On va refaire. Tu vois, là, c'est vraiment ce... Tu vois, ouais, vraiment le mouvement. Et, fluide, ouais. Et en fait, vraiment, ici, on a vraiment que le visage qui apparaît, la robe qui est en train de... Du coup, on va refaire. Ouais, tu vois, tu vois un peu comment oui, ce que comme ça donne. Oui, donc, du coup, on va essayer. Il faut que tu rentres, tu ressors, tu rentres, tu ressors. Hop. Pour ce deuxième setup, nous sommes allés dans un couloir avec une verrière et nous avons voulu jouer avec cette verrière en mettant Ivana devant la verrière. J'ai placé mon Godox AD300 Pro en hauteur, environ 3 mètres, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de modifieur afin d'utiliser la lumière brute du flash. J'ai commencé par faire l'exposition pour l'arrière-plan afin de garder l'atmosphère qu'on avait derrière Ivana. Et ensuite, j'ai rajouté l'éclairage sur Ivana afin de mieux l'exposer tout en gardant l'atmosphère en arrière-plan. J'ai augmenté la lumière petit à petit afin d'obtenir ce que je souhaitais comme éclairage. Parfait, encore continue. Très bien. On va refaire, tourne-toi, remets-toi dans l'autre sens du coup. Parce que là... Et tu vas refaire la séquence des chaussures, comme je t'ai dit, mais essaye de... On va en faire plusieurs, tu vois, essaye de modifier pas mal. Ouais. Allez, c'est reparti. Hop. Voilà, très bien. Hop, c'est bien. Hop. C'est bien. Essaye forcément de les faire sans forcément vraiment me regarder moi. Ouais, la dernière, elle est bien. Ouais. Attends, je remets au dernier. Ah, il faut que je fasse une photo. Au ralenti, même, pour la vidéo. Ouais. Tu vois. Et après, tu fais ce que. Oui, si tu veux. Allez, attends. Allez, vas-y. Hop, c'est bon, vas-y, tu peux changer. Pour cette troisième partie du shooting, nous avons voulu faire des portraits un peu plus serrés et quelques plein-pieds. J'ai utilisé le Godox AD300 Pro pour faire les close-up. Comme précédemment, j'ai d'abord réglé la lumière ambiante et ensuite j'ai rajouté le flash afin de déboucher les ombres et d'avoir une meilleure qualité d'image. Donc le conseil vraiment important que je vous donne, c'est vraiment de commencer par régler votre lumière ambiante, en réglant d'ailleurs par exemple pour l'arrière-plan, et ensuite de rajouter votre flash. Et de commencer par une faible puissance et de l'augmenter au fur et à mesure tout en contrôlant à chaque fois le résultat que vous avez et au fur et à mesure d'augmenter la puissance du flash jusqu'à ce que vous ayez la qualité de lumière que vous souhaitez. Et il est donc primordial de ne pas modifier les réglages de votre appareil photo lorsque vous avez fait les réglages pour l'arrière-plan.
C'est simplement la puissance du flash qu'il va falloir modifier au fur et à mesure. Les coudes, les mains comme ça, comme tu sais que c'est, tu dois pas faire. Ensuite, je me suis reculé un peu plus et j'ai reculé aussi le flash afin d'éclairer tout le modèle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les plantes afin de créer une petite atmosphère. Vous êtes très nombreux à me parler, à me poser des questions sur le Godox AD300 Pro. Je vous ai fait pas mal de photos en studio. Et là, ce shooting en extérieur, c'était pour vous montrer qu'avec ce flash qui fait 300 watts, on peut faire pas mal de choses en extérieur. Et il est vraiment versatile. Pendant tout ce shooting, je l'ai utilisé sans modifieur afin d'avoir une lumière brute. Assez dur pour mon shooting, mais vous pouvez aussi voir certains shootings comme celui-ci où j'ai fait des photos en extérieur avec un modifieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce shooting et aussi de ce flash. Est-ce que vous l'avez déjà? Moi, je pense que je vais en acheter un autre. Du coup, en fait, il faudrait que tu fasses dans l'autre sens parce que là, du coup, la lumière est. Vas-y. You're like an ocean with a wind, not a single grain of sand. I'm drifting on it. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à plus. Ciao.